Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'une enceinte Bluetooth, mais d'un beau gabarit hein, quand on voit la boîte. On va faire un petit tour du packaging. Donc la marque c'est Comiso, donc Nature Audio, Get Beautiful Song Wirelessly. C'est le slogan, donc là on voit ici la marque à nouveau. Ici ils mettent bien en avant que ça donne un son naturel. Donc là, eco-friendly parce qu'ils utilisent ici du bambou. Donc normalement la qualité de fabrication est plutôt bonne, donc on va voir, c'est bien ce qui est mis en avant. En tout cas sur le produit, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Fonctionnalité simple, donc il y a une haute qualité de musique, compact et design. Bon, c'est pas des plus compacts non plus, hein, parce que c'est pas les plus compacts qu'on peut trouver sur le marché, mais effectivement c'est compact vu la qualité normalement. Donc au niveau du look and feel, connexion Wi-Fi. Ici sur le côté, on remet en avant donc la qualité, au niveau synchro, etc. Ici, un visuel du produit. Donc, on met en avant ici que c'est un home stéréo speaker, naturel bambou, etc. Et ici, on voit le contenu du packaging qu'on va vérifier dans un instant. Donc, on devrait voir l'enceinte, une petite housse de transport. Ici, ça doit être la notice et un câble de rechargement. Ici, les informations donc, du modèle, etc. Donc, on a le modèle, le M20. Maintenant, on va l'ouvrir parce que ça intéresse, c'est le produit. Plutôt bien emballé, une petite cale, la housse, flaguée avec la marque, donc Comiso Ulac, housse, hein, banale on va dire, et c'est plutôt sympa d'en avoir une, l'enceinte qui pèse son poids, on verra ça après, quelques petits éléments là, et rien d'autre, donc on a nos deux câbles qui sont, donc ici câble, mini jack et ici le câble micro USB et ici USB, donc ils sont plaqués or, plutôt bien non, pour la qualité. Alors, quelques petites notices, une alerte, etc. Ici, une petite carte de la marque et ici une notice. Je pense que ça devrait aller, hein, mais bon, on va regarder quand même. Donc c'est qu'en anglais, on voit les différentes fonctionnalités. Ici, connexion Bluetooth, donc on devrait voir ici, je vais voir apparaître un Comiso M20 et on peut brancher effectivement en câble si on le souhaite. Maintenant l'enceinte, donc comme je vous l'indiquais, ça pèse son poids, effectivement on est sur une enceinte assez lourde mais très très belle qualité. Alors ici donc on retrouve la marque Comiso. Ici, on a un effet maillage, un peu tissu, alors, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, c'est le tissu. Superbe qualité, hein. Vraiment très très bien. Donc, tant que j'y suis, je vous montrer derrière. Donc ici, la sortie auxiliaire, ici, courant, un bouton reset. Derrière, on a le modèle, donc le M20. La batterie, la capacité, on est sur 5200 mAh. Voilà. Et au-dessus, donc on se voit avec nos boutons moins, décrocher, plus et power. Donc cet effet bambou qui est du plus bel effet. Alors franchement je la trouve sublime. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc on a deux patins ici. Hop, anti-dérapant. Vraiment génial. Je la trouve super belle. Alors on va l'allumer et on va voir ce que ça donne. Là moi je vais voir au niveau de mon téléphone si je la vois apparaître. Alors ici, donc on voit Comiso M20, hop, je vais me connecter. Voilà, donc on est appairé. Donc maintenant, on va le faire le test d'écouter un peu de son. Alors je vais mettre un peu de musique libre de droit, comme d'habitude. On va prendre ce qui arrive. On va essayer de monter le son pour voir. Un appui long, ça fait précédent suivant. J'essaie de vous mettre plus près du micro pour vous écouter bien le son, mais il est plutôt vraiment très bon, avec des bonnes basses. We'll be right back.
on est sur quand même une super qualité de son. Alors, j'espère que ça passera bien, c'est toujours compliqué avec une vidéo, en tout cas de faire passer à travers un micro, sachant que je capture dans un micro, après je compresse, etc. pour lors du montage, et en plus j'upload sur YouTube. Mais croyez-moi, on est sur une super qualité. Sur toutes les enceintes que j'ai pu vous montrer, c'est vraiment la meilleure, mais de loin. D'un point de vue design, rien à dire, elle est sublime. Et d'un point de vue qualité son, elle est vraiment superbe. Bah voilà pour ce petit test, hein. Je pense que ça sert à rien que je fasse plus en soi, hein, parce que c'est une enceinte. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette enceinte, je ne connaissais pas du tout cette marque. C'est d'ailleurs, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous connaissez d'autres produits. Je suis tombé dessus par hasard sur Amazon et j'ai vu de bons avis. Et puis en soi, comme je cherchais vraiment une très très belle enceinte avec effet de bois justement pour mon setup, je me suis arrêté sur cette enceinte. Je ne suis pas du tout... je suis vraiment satisfait en tout cas, enfin je suis vraiment satisfait par cette enceinte, vraiment très très bien. Et surtout on n'est pas sur un tarif exorbitant, alors je me souviens plus du tout du tarif comme ça. De toute façon je vous mettrai le lien en description, mais vraiment on est sur quelque chose de top, hein. On est sur une bonne qualité, vraiment assez neutre justement, ce qu'ils mettent en avant, ils mettent en avant que c'est naturel, etc. Donc on est là-dessus quand même avec des basses, hein. On est quand même sur, y a des basses, mais on est sur un son clair je trouve. Vraiment sur un son clair. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao les geeks! And I'm going to go to the hospital.